Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. Aujourd'hui, on découvre le jeu Planet Zoo, une simulation sauvage disponible depuis quelques années sur PC ainsi que sur console PS5 et Xbox Series X et S depuis quelques jours. Je vous propose de m'accompagner dans la création du refuge Power Haven. Construisons ensemble un parc zoologique dans lequel nos animaux pourront s'épanouir. Aidons-les à se reproduire pour qu'ils puissent transmettre leur patrimoine génétique. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas passer à côté des prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très prochainement, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode. On a toujours un temps exécrable dans notre zoo. On va essayer de mettre une nouvelle espèce. Aujourd'hui, ce serait pas mal. On va essayer de faire ça. On pourrait la mettre peut-être par ici, là. Essayer de trouver ça une disposition agréable pour ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être prendre un peu de hauteur là pour faire une vue quelque part. Alors je ne sais pas, ça va peut-être pas être ici. Ça va lui sa vie quand même. Ouais, ça va. Ouais, c'est un peu morose quand même, hein. Non mais ça va, support. Par contre là, c'est vrai que être bon, c'est bien, on est en plein milieu du zoo, mais être entre les vitres comme ça, c'est peut-être pas le truc le plus sexy qu'on ait pu faire. Je vais voir après. Eux, ils ont de la place, donc ça c'est chouette. Ils se reproduisent bien en plus. Là, regardez, ils sont en train de draguer, donc ça va encore faire des petits. Mais ouais, cette zone-là, j'avoue que j'aimerais bien l'améliorer. D'ailleurs. Sur le précédent épisode, j'avais dit que je rajoutais des arbres et je me suis vite arrêté, donc je vais en mettre un petit peu plus. Filtre, biome, Asie. Il n'y a pas Asie, continent, c'est là. Asie, on va faire ça. Alors, des figuiers, voilà, ça peut être pas mal déjà. Un figuier en plein milieu là. Oh, je peux enlever ça déjà. Ça pourrait être joli. Là au pied de la petite étendue d'eau, voilà, il penche un peu, donc on va le refaire pointer vers le ciel, voilà, c'est mieux. Ouais, ça je préfère, c'est plus sympa comme ça, avec un joli figuier là, ça a tout de suite un peu plus d'allure. Par exemple ici, là, on peut faire 2-3 petites choses. Nature, c'est tout bête, hein, mais ça va rendre manifestation. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Que se passe-t-il encore? Qu'est-ce qu'il a? Alimentation. Soigne requis, mais je comprends pas pourquoi l'alimentation, c'est toujours un problème. C'est ça. Le soigneur, il vient pas assez, hein. En fait, on a peut-être des soigneurs dédiés par animaux, je sais pas. On va regarder ça par la suite, parce que là, j'ai de l'argent, là, 120K. Je vais reprendre un soigneur. Personnel. On va voir si c'est ça, hein, s'il faut plus de soigneurs, peut-être. Ok, faut le mettre ici. Et donc, ce soigneur-là, on va le mettre au niveau de la zone. Zone Asie, aussi. Voilà, alors le spectacle va commencer. Il y a de la nourriture devant. Ok, on va voir si ça va mieux avec un soigneur de plus. Il est là, il s'amuse, il fait sa petite vie. Ah mais c'est ça en fait, c'est l'eau. C'est l'eau en fait, c'est toujours l'eau. Propreté dernière boisson, donc c'est ça. Eau servie très sale, ouais, ça doit être ça. Nature, oh non, c'était dans terrain. Ici, à chaque fois, faut que je triche, je fais ça en fait. Voilà. Hop, je sais pas pourquoi, des fois il saute comme ça, là il se remet là-bas, bon, c'est pas grave. Ok, et donc c'est le système de traitement des eaux. De l'eau quoi, pas des eaux ZOO, hein. Des eaux EAUX. Je précise. Et donc ici, est-ce que c'est dans les recherches? Recherche terminée niveau 5.
5 niveaux de recherche pour le porc. Qu'est-ce qu'on a donc? Ok, des bonus. Nourriture niveau 3. Ok, on a plein de choses sur le porc. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est recherche sur l'eau. Ok, donc un thème, 52 éléments. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a l'eau. Électricité, thème. Déjà, thème Asie. On va faire du thème Asie. On a fait une zone Asie. Stand de nourriture, stand de boisson. Boisson en premier. Habitat. Il y en a 10 boissons. Boutique de souvenirs, locaux du personnel, clôture. Qu'est-ce que ça peut être? Il veut pas lui? Pourquoi? Il n'a pas le droit lui. C'est marrant ça. Ah, faut être... ok. Ah non, c'est... Attends, pourquoi? Recherche terminée. Ok, c'est que j'ai déjà fait ça. Smoothie. Ah ok, donc j'ai tout ça en dispo là. Pour faire du chiffre en plus, alors je vais rajouter un ou deux stands. Alors là, ça va au début, ça, hein, de mettre des petites baraques comme ça, mais on va vite changer. Parce que bah c'est un peu basique, quoi. Déjà, ce qu'on peut faire, on va agrémenter un peu tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, des petites améliorations. Là, vous voyez par exemple le banc cassé. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas automatiquement remplacés par les agents de sécu là ou de maintenance. Je comprends pas. Ok. Là, si je fais ça, c'est quand même un peu plus sympa, non? Hop. Est-ce que là, je peux en mettre un? Il n'y a pas plus petit. Il y a ça. Dommage, ça aurait été sympa plus petit. Toujours sous la même forme, quoi. Écoutez, ça se verra pas trop. Ça le fait. Hop, on va garder à peu près le même style partout. Voilà, la boîte à dons. On va la décaler. Hop. Ça, donc je peux le mettre là. Ouais, ça a plus d'allure là, je pense. Hein. Des fois, ce sont des petites choses, hein. C'est pas grand chose, mais ça fait le boulot, quoi. Ça fait le boulot. Hop, là, il y a encore eu des dégâts. Ok. Ça, c'est. Je comprends pas. Hein. Qui doit réparer ça? C'est l'agent de sécu, non? Ça. Je peux le mettre autrement. Déplacer. On ne peut pas le déplacer avec X. Ok, c'est là. Je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Ah, ça a déplacé. Ça a fait un deuxième. Donc je reprends dans nature. Un petit. Ok, donc le début de la zone est quand même plus sympa. On va continuer à faire des miracles. La zone Asie, elle est là. Donc, la zone Asie. On va faire 2-3 petites choses aussi là. Les employés doivent faire la queue pour utiliser le service. Quel service? De quel service? Atelier 1. Comment ça? Ah oui, d'accord. Peut-être ça alors. Non, atelier 1. Ok, bon, on va le doubler, c'est pas grave. On peut pas l'améliorer, hein. Mécanique, habitat, plan. Ok, donc atelier mécanique. C'est ici. Atelier, cabinet vétérinaire, il n'y a que des petits. Hein. Okay. Un deuxième à côté. Là. Ah,
c'est peut-être pour ça en fait que les techniciens ils sont pas dans le parc. L'atelier en fait, ça doit les occuper. À mon avis, c'est ça. C'est que du coup, je savais pas, je pensais pas, mais en fait, là par exemple, les mécaniciens, où est-ce qu'on peut les voir? On va aller le voir. Ils sont peut-être tous dans l'atelier quand ils sont. Il y en a un là. Donc là, il va faire quoi? Faire des recherches dans l'atelier. Ouais, c'est ça, ok. Et les soigneurs? Nettoie, 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 se déplace. Non, ça c'est bon, les vétérinaires. Non, c'est bon, ok. Faut que je fasse attention à ça. Se tournent les pouces, les agents d'entretien, et après on nous dit que c'est sale. C'est la meilleure, celle-là. Bon, là, ça a l'air d'aller mieux. Distributeur de billets, service en panne. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Quantité de détritus élevée alors qu'il y en a deux qui se tournent les pouces, vraiment? Non, mais là, il y a vraiment un souci, ici. Il y a un souci. Là, je comprends pas. Comme si cette zone, elle appartenait à personne. Alors, je vais essayer un truc. Agent d'entretien. Agent d'entretien. On va faire ça. Le full. Ivan, on va les mettre pas de zone. Parce que peut-être que le fait de mettre full, ça va. Ils vont dans les zones où il y a les bâtiments. Et là, comme il n'y a pas de bâtiment, c'est peut-être un problème. Ok. Donc on en a un, deux zones en entrée, un zone Asie. Ok. Je vais en mettre deux sans affectation. On va voir. Quoi, il veut pas remplacer là? Ah non, c'est juste plein en fait. Le prix des billets, on en est où du prix des billets? Super. Je vais augmenter un peu. Commencer à faire un peu plus d'argent. Hop, ça, je suis assez content. Par contre, tout ça là, n'en voulez pas, hein. Mais pour moi, c'est un deuxième enclos. Hein. On va le séparer en deux, on va mettre une deuxième espèce ici. Hein. On le voit bien, ça suffit largement ça. Hein. Ça suffit. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans clôture. Clôture en fer. Tôle ondulée, c'est celle-ci. Là, ouais, on va faire ça. Hein. Hop, on va faire des clôtures 20 mètres, on était. On doit pouvoir faire ça. Non, on n'a pas le droit. Si, on a le droit. Ok. Clôture. C'était quoi l'onglet? J'essaie de retrouver les touches. C'est la touche 3. Ok. Hop. Je viendrai enlever l'arbre après. Et là, on est là. Hein. Voilà. L'arbre. On le décale ici, par exemple. Ou peut-être plus dans l'herbe. En bordure, là. Voilà. Là, on est d'accord. Il passe pas. Et on va doubler. Donc là, il y a une deuxième, un deuxième enclos. Donc enclos 1. Ici, on va mettre une porte par là. Clôture. Entrée vert. Entrée habitat tout court. Voilà. Et là, nouvel enclos. Nouvel enclos. Donc là, c'est une zone pour l'instant uniquement pour le personnel. Donc ce que je vais faire, c'est un passage ici. Ouais, on va faire ça. Et même, je vais faire peut-être un truc encore plus sympa. Ouais, je vais essayer ça. Terraformer, allez, alors, allez. On va essayer un truc. Allez en asphalte, allez en bois, allez en béton, pavé, pavé. On va essayer ça. Une allée en pavé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On a ça. Ok, ça, ça fonctionne. Ok, est-ce qu'on peut ne pas mettre de barrière? Pente courbe, allée avec bordure, file d'attente avec rambarde, passerelle avec rambarde, voilà. C'est ça que je veux. Donc, on vient là. On prend de la hauteur. Hop. On va essayer ça. Ouais, ça va passer, ça. Vous me voyez venir, là, avec l'allée en hauteur?
Est-ce que vous me voyez venir? Hop, et là, ce qu'on pourrait faire, c'est un truc un peu moins violent. Tac. Où est-ce qu'on a l'accrochage? Aplanir le terrain, tunnel, support d'allée, pente courbe. Alignement sur clôture. Il doit y avoir une option pour ne pas s'accrocher. Ah, c'est peut-être la longueur. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, je vais descendre juste d'un cran comme ça. Comment ça, obstruction? Ah, il y a la barrière. Ok, ok. Donc, faut faire le virage avant. Faire ça. Pas. Non, je vais faire l'angle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être le fait que ce soit qu'un seul. Là, peut-être. Oh, au pire, je fais ça. Hein. Tac. En fait, là, je suis trop près. D'accord. Donc là, hop, 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 hop. On va faire ça dans ce cas. Tac, je m'écarte un peu. Voilà. Là. Non. Ils veulent rester droit là, je comprends pas. Je veux juste faire un petit virage en fait. Je voudrais faire un truc smooth. Beaucoup plus smooth. Ok. Là, on peut pas descendre et en même temps tourner. Où ça? Ouais, il veut faire que du tout droit, mais je suis sûr que c'est faisable. On va essayer. Oh, comment ça déconne, vous avez vu? Pourquoi ça fait ça? Ding 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 ding. C'est quoi ce bordel? Complètement bugué. Non, ça va pas là. Si je le fais dans le vide. On va sur les allées là. Ok, ça va pas. C'est pas dans le vide. Ok. Si je vais là et que je veux monter, je monte. Pas faire de virage. Quoi? Comment ça? Pente courbe. Ah, c'est ça. Ah oui. Ok, ok. Il y en a des options. Là, si je descends. Hop. Il y a pente courbe, on est d'accord, en vrai. 3 mètres. Voilà, c'est ça que je veux. Ça. Je vais descendre d'un cran. Voilà, c'est exactement ça. Ça, mais un peu plus loin. Donc, on revient à 1 mètre. Tac, je vais m'éloigner un tout petit peu, là. Comme ceci. Tac, je vais mettre 2 mètres. Et... Est-ce qu'ils veulent tous, là? Non, c'est pas ça non plus. Ah, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je suis patient. Voilà, c'était ça. Ok. Là, on a un truc smooth pour monter. Là, on voit le bord. Et après, on va sur l'autre enclos. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire... ici, est-ce qu'on peut tester les options dans allée de support? Support d'allée. Ça veut dire quoi, ça, les supports d'allée? Le remplacer. C'est quoi un support d'allée? Ok, c'est ça. Non, moi j'en veux pas. J'ai cru que c'était des murs. Ok, support d'allée, non. Ensuite, terraformer. Sculpter. Ok, si je fais ça. Ça va être un peu sport, là, à mon avis, à faire. Ce que je peux peut-être faire, c'est prendre des formes comme ça. Ouais. En hauteur. 5 mètres, par exemple.
et on va voir ce que ça donne si ça passe en dessous. Je teste. Ça reste très loin. Ça ne va pas. Aligné sur l'angle, il y a peut-être un autre des options. Proximité, ça donne quoi? Mode forme. Ah ok, on peut faire des on peut décaisser, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, on peut faire du négatif pour faire une fosse. Ça c'est bien ça. Les gens viennent là pour voir les animaux, donc ça fonctionne déjà, vous voyez? Ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que la clientèle nous demande. On est dans le vrai, donc ça c'est cool. Maintenant, faut trouver la solution. Il n'y a pas une option où je peux monter. Ah, ça c'est pas mal ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, ok, ouais, ça fait vraiment... Ok. Hop. C'est pour voir après les fosses et tout ça, ce qu'on peut faire. Donc là, forcément, pour l'instant, c'est un peu dangereux, hein, mais on va faire un truc mieux, avec des murs, etc. Je regarde les outils, là, dont j'ai... intensité, si je mets 50 déjà. Je teste ça ici. Ouais, là, c'est mieux. Par contre, là, il veut pas trop près. Ok. Il ne veut pas trop près. Ça, c'est une galère. Je sais pas pourquoi je peux pas construire plus près. C'est les clôtures, là. Hein. Ce sont les clôtures. Donc ça, si ce sont les clôtures, on va essayer, dans ce cas-là, de pas les mettre tout de suite. On les mettra après, mais l'enclos, est-ce qu'il va se fermer? J'aimerais bien tester un truc où on vient vraiment au bord, là. Déjà, dans construction, qu'est-ce qu'on a comme type de mur? Mur en planche de bois. Mur en béton, 4 mètres. C'est pas mal, ça. 4 mètres par 2. C'est ça qu'il nous faut. C'est exactement ça hein, dont on a besoin. Là, on peut pas faire mieux. Hein. Déplacement de surface, voilà. Attendez, ça marche, ça? Ouais, ça y est, on l'a. Hein. Je peux pas dire mieux. Hein. Et du coup, si je prends ça et que je fais... comment on peut faire? Ils viennent pas se coller. Ce serait trop simple. C'est pas les mêmes. Ok. Rotation aléatoire. Ah, il y a des rotations aléatoires, ça existe, ça. Il y a plein de choses. Hein. Ok. Si je fais ça, je fais... Non, ça va pas. Si je fais... Ici. Dupliquer. En fait, ça vient pas coller le bon angle. Dommage. C'est trop mal. Non, bah, il me reste plus qu'à faire ça. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé les coller direct, hein, comme ça, coller les uns aux autres. Hein. Ça aurait été plus rapide. Il doit y avoir l'option, mais je ne connais pas. Je ne sais pas comment faire, donc... si je le prends comme ça, que je fais déplacer... C'est quoi? Il y a une touche pour déplacer, c'est virgule. C'est encore ça. On peut pas changer la zone... Enfin, l'arête, quoi. Toutes les relations, rotation, alignées sur la surface... Si j'enlève ça, ça donne quoi? Ah, voilà, c'était ça. Ok. Ok, ok. C'est bon. Mince. Un retour arrière, contrôle droit, contrôle plus W. Okay. C'est pas contrôle Z, c'est contrôle W. Dupliquer, c'est quoi? C'est contrôle D, du coup. Ok, le chemin, on le voit bien là. Il va falloir juste décaler un tout petit peu le mur et on sera bon. Là, ça va faire une belle fosse. Bien sûr, on va faire un garde-corps en plus. Moi, ça me plaît bien, ça. Mince. Hop. Dupliquer. Ça y est, ça recommence. On va pas me faire le coup là. Faut aller chercher où là pour qu'il le fasse bien. Ah, c'est en bas en fait. Ok. Tac. Là. Là, on est bon. Les clients ont l'air d'aimer hein, ce que je suis en train de proposer là. Hein.
Ok, et puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose qui les empêche pas trop de voir, quoi. Non, mais c'est excellent, ça, la hauteur. C'est excellent. Et derrière, on va pouvoir faire la terre, là. Hop, CTRL W, CTRL D. Ah. Ok, là, ça empêche déjà de voir. Après, en vrai, c'est pas très grave s'il voit pas tout. Hein. C'est pas très grave. Il y a quoi d'autre comme forme? Est-ce qu'il y a des... c'était dans quoi? Construction? Est-ce qu'il y a des angles? Pardon, des angles. Des triangles, ouais. Il y a des triangles. Sinon, on va faire ça, du triangle. Triangle en béton. Il doit y avoir... Du plâtre là? Non, béton. Béton, triangle. On a cela. Est-ce que ça accompagne bien la courbe? Non, trop. Et cela? Oui, mieux. Mieux. Donc, je vais faire ça. Ok. Là, je pourrais les mettre. Ok, très bien. Hop, on va faire un truc propre, hein. On va essayer. Tant qu'à faire. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Aligner. Alignement vertical, c'est quoi ça? Et les options, franchement, c'est terrible. Aligner sur l'angle. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas la même chose pour les triangles. On va l'enfer. Contrôle de vitesse, aligné au vertical, aligné au bâtiment, aligné sur l'eau. Non, bah là, là, on peut faire des rotations à 90 degrés bêtement, là, ou pas? Ah si, c'est l'angle. Mince, j'ai perdu la fenêtre. J'ai appuyé sur la touche Windows au lieu d'appuyer sur la touche W. Il est où l'angle? Là. Ok, là on est à 45 piles. Aïe aïe aïe, je vais galérer. Là on est à 90. Voilà, là il s'aligne bien. Ok, on va y arriver. C'est pas trop mal là. Quand on voit la transparence là, c'est quoi cette bêtise? Ils sont en béton transparent les murs? Ah ouais, le jeu est particulier dans le... Dans sa gestion là, 3D. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Je dis des conneries. Non, bah si. Je crois qu'il dépassait là tellement. Non, il y a un problème. Hein. C'est pas beau. Hein. Ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Eh ben, c'est pas grave. Supprimer. Ah, il y a une autre façon de faire. Hein. Ça. Ah, les options, c'est infernal. Hein. Ajouter au bâtiment. On va ajouter au bâtiment. En plus, là. Ah, voilà, c'est celui-là. Donc là, si je fais ça et que je fais X. Et à la limite, je vais faire un truc comme ça. On triche un peu. Hop. Non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là, fallait pas que je le touche, celui-là. On recommence. Tac. Ah bah, limite, je vais faire ça direct ici. On en parle du bruit qu'il est en train de nous faire, là, le singe. Tac. Voilà. Donc là, je peux continuer la rotation. C'est lequel? C'est celui-là. Ok. Ici. On va voir si ça passe, ça. Hop, bien sûr.
Et les gens se mettent au bord même dans la pente, donc c'est pas mal si on arrive à suivre la rampe là. C'est un petit peu de boulot méticuleux là, mais ça va être sympa. Ok. Petite bordure comme ça. Là, on est bien. Voilà, là, c'est quand même plus joli. Très bien. Hop, je vais même redescendre un tout petit peu ici. Hop. Redescend un peu. Faut vraiment coller à la rampe. Voilà, là on est pas mal en angle. Ici. Là, je pense qu'on est pixel perfect là. Ouais, moi j'aime bien là. Je suis pas tout à fait dans le bon angle. Ici. Là, je suis dans le bon angle. Hop. Oh, elle est belle la vue là. Le coucher de soleil. Petite capture d'écran. Ça peut peut-être me servir pour une cover, là, une miniature. Ah, c'est sympa là. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça commence à être beaucoup plus chouette cette zone. Ça démarre, de toute façon, ce sont des jeux assez lents. Hein. Ça démarre toujours un peu lentement, ce genre de jeu. Là, on va dupliquer, du coup, comme ceci. Hop. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et là, on a la vitre qui reprendra le dessus. Enfin, son chemin. Quoique, on pourrait même la faire reprendre avant, en fait. Hein. On va l'annuler, celui-là. On duplique. Et on vient juste s'arrêter là. Voilà, ici. Ensuite, on reprend comme ça. Hop. On reprend comme ça, qu'on duplique. Et on vient finir proprement ici. Tac. Là, on descend. Et on est parfait. Ça me paraît bien ça. Très bien. Ou alors, si on veut vraiment être parfait, parfait, ouais, on va être parfait parce que vous allez, hop, découvrir ça en moi. Je peux vite être pixel perfect aussi. Du coup, okay, là il y a le mur. Ouais, il est là. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est décaler encore un tout petit peu. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Celui-là aussi. Avec ça colle pile l'angle. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. J'en suis sûr. Ici, ça colle pas à l'angle, mais c'est pas grave, on va faire ça. Ça va coller. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Il nous restait quoi? Il nous restait ça. Celui-ci. Donc on duplique. Et on ferme. On a notre enceinte. Bien sûr, il faut aller jusqu'au bout ici. On verra après ce qu'on fait, si on continue pour revenir là ou si on part, je ne sais pas. Là pour l'instant, ce sont des zones employées. On verra. Pourquoi pas ensuite aller par là, hein, par la suite. Hein. Là, on va faire juste un deuxième enclos au fond. On va mettre des animaux ici et ça va être sympa. Très bien. Donc là, c'est sale, hein, c'est vraiment sale. Hein. Il y a un souci quand même. Statut de la clôture. Mécanicien requis. Appelez mécanicien. Les mécaniciens, ils font quoi là exactement? Ils font de la recherche? Ouais. Clôture, justement. Pas d'électricité pour le service. Oui. Ah, il est hors zone. Il y a un poste électrique qui est cassé. Non. Quoi?
Ah, c'est lui qui a cassé. J'ai de l'argent, donc les mécaniciens, on voit bien, ils sont pas suffisants. On va en mettre un mécanicien. Hop. Je continue ma zone. Donc ici, il nous manquait quand même encore un petit bout de mur. Là, on voit bien, il faut l'avancer. Il faut avancer tout le mur. Donc on fait ça, on duplique. Tac, ici, je fais ça. Et là, je suis en début de surface. C'est bon. Ça, c'est good. Là, ensuite... Là, j'aimerais bien aller jusqu'au bord. Hein. Je sais pas pourquoi c'est pas possible dans le terrain. Là. Pas d'option. Là. Verrouillage environnement. Non, ça bloque. Hein. Ça bloque vraiment. Hein. Ça avait mis derrière aussi. Texture, application auto. Marquer clôture masquée. Marquer les masqués. Ok. On trouvera la solution. Donc là, on va prendre ça. Tac. C'est tout prendre. Hop. Là, je crois qu'on est bon. On va créer un groupe. C'était pas là le groupe. Voilà, ici. Groupe 26. On peut pas le renommer. C'est pas grave. Et là, le groupe 26, pour pas que ce soit moche ici, là, on va juste le décaler de quelques millimètres. Voilà. Hop, ça c'est parfait. Ensuite, les clôtures. Donc ça, si ça, ça pose problème, on va aller dans les clôtures. Donc les clôtures, c'est 4, 3, c'est 3 déjà. On va prendre celle-ci et je vais la supprimer. Ok. J'ai pas fait de dinguerie. Ensuite, je vais aller dans les allées. Terrain, pardon. Et là, est-ce que ça bloque? Toujours. Non, ça ne bloque plus. Si ça bloque avec le... ça. Ok. Le mur aussi, ça bloque? Ouais. Ouais, ça bloque. Hein. Ben c'est jusqu'à la surface, ça donne quoi? Terrasse. Je teste hein, les fonctionnalités. Là, ce sont les formes, donc ça va pas. Alors, forme de terrain, si on peut essayer de refaire maintenant. Bon, positif. Est-ce que ça monte plus haut? Non, toujours pas. Hein. Non, je crois qu'on va être un peu bloqué hein, par ça. Hein. Parce que là, en fait, ici, par exemple, je peux monter haut. Pas de souci. Mais là, ça bloque. Trop près, ça bloque. Donc, faut le faire avant, sinon le chemin. Je vais essayer de le faire avant. Le chemin, la terre, là. Si je fais ça, je viens ici, là, que je supprime ça. Que je fais le terraform. Non, c'est le mur qui bloque, là. Ok. Donc là, si c'est le mur... Je peux faire ça, ok. Ça, c'est autorisé. Très bien. Je teste toutes les possibilités. Donc là, si je prends le bloc complet, que je fais X et que je le décale là-bas. Ok. Là, je construis. Ok, ça c'est comme ça. Là je creuse. On remet tout à zéro.
On arrive à faire de la terre qui vole, mais par contre, on peut pas se coller au mur, quoi. Mais tout va bien, tout va bien. Élevé. Ok, là, maintenant. Pas grave, ça, on peut le réduire. Pas dans ce sens-là. Non, on peut pas le réduire ? Non, bah on va faire ça, hein, tant pis. Hein. On va faire ça. On va le refaire là-bas après. Donc ici, je recommence. Je vais là. On essaye de monter. Peut-être le faire avant, ouais. Je viens bien haut. Ensuite. Beaucoup trop haut même. Tac, est-ce que je peux aplanir jusqu'à cette surface? Non. Ce serait trop simple. Lisser. On va lisser proprement comme ça. Ici j'aimerais bien élever un peu plus aussi là. Très bien. Si je viens ici là. Un truc pour être libre, c'est lequel? Là on est libre. Ah mais là il veut venir sur la surface comme ça, bah oui. Je crois qu'on va pas s'en sortir hein, avec avec la terre. C'est dommage ça. C'est dommage. Parce que j'aimerais bien vraiment juste venir au bord quoi. Après en vrai... Si j'arrive à faire un truc très lisse, ça peut le faire. C'était là, zéro, voilà. Si j'arrive à lisser comme ça. Là, on a une surface plus plate, là. Le problème, c'est que c'est quelle référence que je prends, là. J'aimerais bien rester à une certaine hauteur. Ouais, ça redescend jusqu'au sol, en fait. Où est-ce qu'on reste? Ah, jusqu'à la surface, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc là, il faudrait que je mette la surface là et que je monte en fait. Je ne peux pas monter. Non, ça ne va pas. Lisser. Raboter. Non. C'est celui-là. En fait, j'aimerais bien définir une zone, une surface, mais à plat quoi. Taille, clôture, texture. Non, je ne sais pas. Là, c'est pas plat. Comment on fait un truc plat? Ah, faut faire ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Si, si, ça peut être ça. Ça peut être ça, en fait, la solution. Et ouais, bah oui, sans les clôtures, ouais, on va faire ça. Allez, on tente. Donc là, j'enlève tout. Creuser. Hop là. Et ça va plus. Ça va. On est à plat. Ouais, on est à plat. Donc si je refais ça. Ici. Et que je viens. Hauteur 4 mètres. On le tente. C'est plus. Si je refais un 4 mètres dessus, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal ça. Ça me paraît pas mal ça. Largeur, on peut faire 4 par 4, ok. C'est peut-être ça la solution. 10 mètres. C'est haut. 8 mètres. En positif. C'est ce dont on a besoin à peu près. 7 mètres. Pourquoi ça fait du négatif à chaque fois? 7 mètres, ça me paraît même parfait.
Très bien. Donc si je le tente comme ça. Largeur, ok. Et ensuite. Ah ok, on peut monter comme ça. Ok, ok. On peut décaler comme ça. On peut pas le faire en longueur. Hein. C'est censé être forcément carré. Hein. Ouais, ok. Donc, si je fais ça, je viens en mettre un ici, comme ceci, et après on viendra raboter. Et après, comment je fais les autres? Bizarre, hein? Ah là. C'est bon ça? Ouais, si, c'est bon. Ça, j'ai l'impression que ça monte, mais non, en fait, c'est juste l'alignement. Il n'y a pas aligné sur l'angle? Si. Ok. Et aligné sur la grille? Non. Ok, c'est à peu près bon ça. On va mettre un peu plus grand du coup. Y mettre. C'est gros. 8 mètres. 6 mètres. 7 mètres. Allez, 7. Allez, 6. Il y a peut-être moyen de les coller. Hein. Je sais pas comment, mais... Ah, peut-être ça. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai la touche. C'est la touche contrôle. Donc là, on l'a. Donc si je fais ça... Je me mets comme ça. Est-ce qu'on est déjà sur la bonne grille? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc si je viens me mettre ici, par exemple. Là. J'appuie sur la touche contrôle, là. Et ça va pas. Quoi? Ça tourne bien petit, là. Ça bug. Ça bug complet. Je comprends pas, j'étais pas mal, là. Ok, là. Ah, faut pas aller. Si, là, je suis bon, là. Ok. Là, maintenant, je suis bon. Ok. Donc, ça, c'est fait. Si ici, je viens continuer mon chemin. Voilà. Eh bien, on y arrive. Ça, c'est good. C'est exactement ce que je voulais. Et là, pourquoi je peux plus construire en dessous? C'est fou, ça. Il n'y a, pas une option pour que ça passe, quoi. C'est dingue. C'est pas grave, de toute façon, on fait ça. Hein. Bonjour, messieurs, dames. Il va falloir filer. S'il vous plaît, laissez la zone. Sinon, vous allez tomber. Allez, allez. Allez, je vais devoir vous faire tomber, sinon... Je compte jusqu'à 3. C'est toujours crade ici. Non mais là c'est pas possible. Il y a un problème dans le jeu. Regardez ça. Fait que ça, dire aux techniciens, aux employés ce qu'il faut faire, lui regarde. Il se tourne les pouces alors que c'est le bordel par terre. Est-ce qu'il va ramasser? Il ramasse. Mais c'est incroyable ça. C'est toujours crade. Clôture abîmée. Là ça répare. Là, ça va venir. Hein. Ils font quoi, les techniciens? Non, mais c'est fou, ce jeu. Il fait une sieste, il se déplace, il répare, il fait des recherches. Je pense que c'est les recherches, en fait. Hein. Les recherches, faut pas en faire trop. Hein. À mon avis, c'est ça. Habitat, j'aimerais bien quand même laisser les recherches se faire. Zone Asie, ben quoi? Thème Asie environ, plan. Ça peut être pas mal. Et les clôtures, pour l'instant, on n'a rien, donc on va faire ça.
que de recherche. Ok, niveau de recherche, ça c'est bon. Vétérinaire, il n'y a plus de recherche à faire pour l'instant. On est bon. Je vais en mettre un sur les recherches. Les recherches de quoi? Pandarou, ce serait pas mal. Bah, au bout du Pandarou. Et c'est tout, hein. Je crois qu'il n'y avait que ça en recherche. Ouais. On va laisser ça comme ça. Et on va voir si c'est mieux. Par contre, les agents d'entretien, là, c'est une folie. Hein. On a de l'argent, je reprends un agent, mais bon. C'est pas normal, là. Il y en a 4 des agents d'entretien. Le zoo, il est tout petit. Très bizarre. Hein. Lui, je vais le mettre en zone entrée. C'est où déjà? C'est ici. Zone. Hein? Elle est où, zone entrée? Elle est là. Hop, j'ai reperdu l'écran, voilà. Bon, je suis désolé. Les habitants, là. Tac. Allez, faut filer. S'il vous plaît. Tac, on revient là. On va essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on avait. C'est pareil, ça se colle pas en fait, c'est une galère. Donc là, on est bon, je pense. On va tester. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas trop mal, mais on n'est pas bon. Ah, puis en plus, il y a la clôture là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réduire ici temporairement. Ça, c'est pas grave, ils m'en voudront pas. Tôle ondulée. Ok. On va faire ça. Et ça. Très bien. Ça, je supprime. Ok. Ok. Ça aussi, du coup. On refera, j'ai mis du temps à le faire, mais maintenant on sait le faire. On refera ça. Ah, ça va pas là, j'en ai cassé un de trop, c'est celui-là que je voulais casser. Voilà. Donc, d'ici, est-ce que ça va gêner? Peut-être, peut-être, peut-être. Terrain. Il faut venir s'accrocher là. Oh non, j'étais bon là. Ah oui, c'était parfait. Pourquoi il s'est pas magnétisé là? Là. C'était pas la bonne touche, c'était ça. Okay. Ah ouais, ça va plus là. No. On reprend. Donc ici. Là. C'est vraiment pas évident. Hein. Là, on est bien. En fait, ça le garde pas, c'est fou. Et la caméra qui déconne, je suis parti où? Là. Non. Ça fait un truc bizarre là. Je ne sais pas pourquoi je peux pas les enchaîner. Là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ok, je vais essayer comme ça. Ça y est, c'est bon. Okay, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite. Bord comme ça, plus au bord possible. Là, on va terraformer avec les outils dont on dispose. Non, c'est pas bon ça. C'est trop gros. Ah, censé aplanir, c'est pas censé grossir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qui se passe là? Bord comme ça, hein. Yeah. Par contre, texture. Bon, c'est pas grave, on verra après ça. Là, je réduis ça. Allez, s'il te plaît, autorise-moi à enlever cette merde là. Je commence à craquer là, vous l'entendez. Hein. Faire patience là, purée. Non, mais là. Pourquoi ça fait du positif? Je comprends pas. C'est quoi ça?
Bannière en terrasse. Comment ça en terrasse? Hein? Ok. Je comprends pas trop, mais... La galère. Juste faire une pente en fait. J'aurais dû faire un triangle, ouais. Creuser. Là ça va, ça comme ça. C'est pas bon, lisser. Ok, lisser c'est bon. Ça fait le taf. Là, c'est cette taupe là. Rapporte-moi ça, c'est ça qui gêne, je pense. Ah. Je vais faire un truc. On va le faire tout petit. Pas l'enlever. Il est bloqué. Ah, c'est l'arbre peut-être. Si c'est l'arbre, c'est une folie. Ça fait du bruit, ça faisait pas de bruit tout à l'heure déjà. Non, moi je pense que c'est ça. Ok, j'ai réussi. Wow, quelle galère. On n'est pas prêt de faire une grotte, hein. Ok, on continue de raboter, d'aplanir. Voilà. Je vais commencer à amorcer une descente là en fait. Tout simplement. Pas faire plus compliqué. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est revenir mettre ça. Je pense que ça peut nous aider, ça. Ça peut nous aider pour l'angle qu'on souhaitait faire. C'était ça. Là, on est bon. Oui, presque. Là, on est parfaitement bon. Donc ici, est-ce que je peux raboter? En fait, c'est pas mal en caillou aussi, comme ça. Là. Moi, ça me plaît bien, ça. Petit côté naturel. En fait, j'ai juste à faire ça. Ça, c'est de la neige. Pas bon. Ah oui, il manque des textures, en fait, c'est ça. Comment on rabote ça? Ça rabote pas. Élevé. Crevassé. Non. Là, il veut pas raboter avec le mur. Quand il n'y a pas de mur, est-ce qu'il veut bien raboter? Non, mais là, c'est horrible, la cam. S'il n'y a pas de mur... Genre ici. Oui, là, il veut bien, là. Là, il veut bien. C'est quand il y a le mur. Ok, c'est le mur qui gêne. Donc, c'était pas une bonne idée pour l'instant. Faut attendre un tout petit peu, mais on sait qu'on a ça à ranger un peu, là. À raboter un peu. Enfin, pas une bonne idée. Si, c'est pas mal, mais... On va faire ça à chaque fois. On va le remettre. Ok, je vais raboter un petit peu ici. C'est marrant, ça, la pente. C'était zéro. C'était ça. On a grandi un peu. 4 mètres. 3 mètres. Pareil, ça pouvait pas être avec le scroll, pour être plus précis. Je me demande des fois les développeurs s'ils jouent à leur jeu. Un peu dur, mais ça va creuser. C'est pas ce que je veux. Je vais laisser cette forme de mur là. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est le mur que je vais mettre devant.
Ouais, on va faire ça. Allez. Hop, on va pas se prendre la tête. Ça va réduire un tout petit peu l'enclos. Mais c'est pas grave. Faire ça. C'est ça que je vais mettre devant. Puis c'est bon. Si je fais ça, on est bon. Ça, ou. Je l'oriente un peu, hein. Tac, si je fais ça, ça donne quoi? C'est pas mal, je pense. Hein. Et lui, je le décale. Si j'arrive à le décaler, je viens ici. Là, je suis libre. Si je viens faire... C'était comment? C'était dessus, hein. C'était là. Qu'est-ce que ça va donner là? Ça va pas. Ah oui, il faut que je fasse autrement. Il faut que je vienne le prendre d'ici. Le prendre d'ici. Ouais, je vais essayer ça. Si je viens faire ça. Non. C'est embêté, hein. C'est parfait en plus là. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Des fois, hein, faut pas trop s'embêter. Oh là, ça devient magnifique. Parfait. Donc, j'enlève ici. Voilà. Et là, je reviens tout droit. Là, on est bon. C'est tout bête. Hein. Donc, ça, c'est good. On a cette partie-là. Je commence à être un peu plus content, déjà. Du coup, il y aura juste ici à raboter un tout petit peu. Donc ça, je le mets là. C'est pas grave. Je rabote légèrement ici. On revient voir si ça passe. Toujours pas. Pas raboter plus. Hein. Déjà lui là. On va l'enlever. Hop. Ensuite, c'était là, ça là. Tac. Allez, ça me paraît mieux. C'est pas grave si c'est un peu creusé en bas, on s'en fiche ça. C'est mieux, beaucoup mieux. Là, si on passe un peu creusé, moi ça me va. Ça, c'est bon. Là, le trottoir qu'on pourrait cacher complètement. Là, c'est parfait. Et du coup, ici, il faut raboter encore un tout petit peu et on est bon. Je le retente parce que, je sais pas, je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut fonctionner cette fois, mais toujours pas. Il n'y a pas une option de ce type-là. Hein. Non. Intensité, verrouillage, environnement. Ah, c'était ça. Ouais. Non, mais c'est fou. Hein. Non, c'est fou. Là, j'y arrive pas mieux, mais... Parce qu'en fait, si je fais ça... Allez, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Purée, il fallait pas grand-chose, hein. Parce qu'après, regardez ce que je fais. Tac, ça. Hein. Là, on est parfait. Hein. Ok, c'était verrouillage environnement. Ça, c'est bon, on le sait maintenant. On peut lisser comme ça. Parfait. Pourquoi ça lisse Ok. Creuser plutôt. Là, on creuse. Là. Ensuite, ici, on peut lisser. Là, on a fait une pente, donc c'est... c'était ici qu'il fallait. Là. Tous ces effets, là, on va les enlever. Très bien.
Là, faut que ça commence à descendre. Creuser, on va faire un peu plus gros. Un peu plus gentil, comme ça. Ok. Raboter. C'était peut-être plus raboter, je sais plus. Non, raboter, c'est pas fou. Ah oui, terrasse, c'est ça, ok. Tac, tac, tac. Ok. Là, j'espère que ça va le faire. Que l'angle va bien vouloir se créer. Ce serait top. En pente douce, là, ce serait trop cool. 9, c'est ça. Terrain trop irrégulier. D'accord, mais je veux un placement libre. Ok. Je sais que ça, ça va le faire. Là, j'ai réussi. Creuser un peu, là. Ça. Du coup, là, s'il n'y a plus d'obstacles, on peut construire par-dessus ou pas? Non, toujours pas, hein. Bien sûr que non. C'est que dans un sens, c'est one way, leur truc. On peut détruire, mais pas construire. Ok. Creuser. Ok. Aller prendre là. Quoi? Il ne met pas au bon endroit? Ah, ça, il l'a mis sur le terrain, en fait. D'accord. Considère que c'est sur le terrain. Ah ouais, il considère pas que c'est une pente, quoi. Ah, c'est triste, ça. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est arrêter ici. Ouais, on va arrêter là, la terre. On va vraiment faire ça. Là, il n'y a plus de terre, presque, et on va faire une descente dans le vide. C'est pas grave, avec des murets, ou... on va trouver une solution comme ça. Je recommence ici. Ça va pas. Là, ça devrait être en pente, mais pourquoi ça s'accroche, en fait? Je comprends pas. 2, 3, 4... En fait, ça s'accroche à ce terrain, ok. Là, ça s'accroche plus au terrain. Là, c'est bon. Là, c'est bon, sauf ici, c'est moche parce qu'il y a le terrain. Ok. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Ok, on y arrive, on y arrive. On y arrive carrément. Moi, ça me va. Des petits buissons, on va masquer ça. Ici, on peut faire du terraforming de nouveau. Comme ceci. Ah, ça va passer là. Ouais, ça passe ça. Ah, voilà. Là, c'est pas mal. De ce côté-là, bien sûr. Hop. Trop monté. Pourquoi ça veut pas aller mieux là? Je vais bien faire un truc comme ça là, ouais. Et casser. Hop. Assez symétrique. Là. Comme un bosquet. Ok. Là, on aplatit. Hop. Ouais, c'est le trottoir là qui va gêner, mais c'est pas grave ça. Petit buisson, comme je disais, et ça va le faire.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hop. Non, c'était pas là. C'était plus comme ça. Après, on va faire du lissage et on sera bon. Celui-là, ça va pas. Ça va jamais ici. Pourquoi ça pose problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Voilà. Et là, un lissage. Voilà, ça c'est pas mal. On va enlever cet effet pierre là. Voilà. En lissant. Je peux peut-être faire ça d'ailleurs. Allez, vite, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma proposition là. Voilà, là ça a de l'allure. Les petits arbres que je vais mettre et tout ça, vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va être parfait. Donc ensuite, l'enclos. Ici, on va le recontinuer. Normalement, là, on est bon. Donc, habitat. Clôture, pardon. Ici, enclos en tôle. Hop, plus. Aligné hauteur. Non. C'est ça. Pourquoi ça fait ça? 14 mètres. Voilà. On n'est pas bon sur la hauteur, si on est bon. Je sens que ça monte là, la hauteur. Non? C'est une illusion d'optique. Comment on aligne sur l'angle? Ici. Ça. Non, fallait faire avant peut-être l'alignement sur l'angle. Là, il y a les animaux, hein. Le problème, c'est ça. Hein. Alors, je vais faire pause. Le temps de virer ça. Je triche un peu, mais n'oubliez pas. Là, on est bon. Là, on est bon. Obstruction. Comment ça? Qu'est-ce qui obstrue, là? Ah, le chemin. C'est le chemin. Ok. Ici. Je pense que c'est le chemin. Ouais, c'est ça. Ça va le faire. On triche un peu. Tac, tac. Là, on est bien. Il n'y a plus de problème d'alignement. Ça, c'est parfait. Ça me plaît bien. Là, on a dit qu'on allait s'arranger pour masquer ça. Et on est bon. Ok. Ça a de l'allure. Maintenant, je vais finir cet enclos-là. Hop. On va essayer de faire l'alignement sur l'angle, justement. Boum. Caché directement. 19. Voilà. On a nos deux enclos, normalement. Non, on l'a plus parce qu'il n'y a pas la porte, c'est ça. Ah si, il y a la porte, là, pour quand même... Ah voilà, c'est bon, on l'a. Enclos 1, enclos 2. Okay. Ça, c'est good. Ensuite, bon, ici, c'est pas très joli. Ce que je peux faire, c'est prolonger un peu le mur, s'il le faut. Là, ça sera faisable. Parce qu'effectivement, on voit, sinon, on a un peu de nature, des rochers. Ouais, des rochers, ça peut être pas mal. On fera ça plus tard. Donc là, je remets en play, en lecture, enfin, on marque le jeu. Normalement, il n'y a pas d'animaux qui s'échappera. Là, on a cette hauteur. Pour l'instant, ce que je peux faire en nature, petits buissons, des petites choses là. Oh, c'est pas des petits buissons ça. Ça peut être pas mal en vrai. Hein.
Ouais, ça fait beaucoup d'ombre. Faire un truc comme ça. Ils sont balèzes, hein. Très très gros, beaucoup d'ombre. Il y a quoi d'autre en arbre? Ça, c'est plus haut. Ça fait de l'ombre, mais ça tourne. Ils sont magnifiques, ces arbres. Ils sont magnifiques. Ça, c'est typiquement le genre d'arbre qu'on peut mettre ici. Hein. Hop. Passage, là. Magnifique. Avec les petites... ouais, non, c'est très bien. Au pied de l'arbre, on peut mettre... Quoi là? Non. Petite fougère là. Ça. Voilà. Ceux-là ils sont beaux aussi. Très beau. Hop. Voilà. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas terrible. Ça, c'est celui qu'on a là. Donc, on peut mettre son frère par là. Et un petit frère ici. Ouais, ça commence à donner... quelque chose. Ici, je peux encore lisser. Je l'ai vu là. Ici. Faire quelque chose d'encore plus propre. Voilà. Ça, c'est good. Nature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, c'est pas mal. Il y a rotation aléatoire, je crois. Rotation aléatoire. Chaque fois qu'on en place un, il tourne. C'est pas mal. Ensuite. Ici, on peut mettre ça. On a des plus grands, là. Je crois que c'est ça. À chaque fois qu'on en place un, il tourne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Elle est partie, là il y a un rapport qui est prêt, faut qu'on aille voir le rapport. C'était quoi, W? Ah oui, là je suis en... Tac. Ok. Très bien. Pour l'instant ça me va, c'est pas foufou la nature là, mais ça me va. Ça laisse le rotation aléatoire ou pas? Ok. C'est cool. C'est joli. Vraiment des tout petits buissons. Hein. Petits aloe là. Aloe vera, c'est ça, ouais. Petits aloe vera. C'est très discret là, ça. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. Les aloe vera, on peut les mettre là par exemple. On peut faire ça. Poussant sur le mur là. Buisson d'RL, ok, ça on verra plus tard. Ok, ça a de l'allure. Par contre, les clients, ils n'ont pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà là, il faut faire un petit peu de texture. C'était trop gros. Petit. 2 mètres. Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Ici, c'est bon. Un petit garde-corps quand même hein, pour les clients. Qu'ils ne tombent pas. Donc, garde-corps, ça va être dans construction. Rambarde. Non. Clôture. Ça va être où? Ah ben parce que là je suis dans architecture dans tout là.
peut-être. Non. Peut-être. C'est pas le bon mot. Le bon accent, pardon. Non. Barrière. Ouais. On a quoi? Les zones nazies, hein. Parc. C'est moche. C'est pas très beau, mais c'est peut-être ce qu'on a de mieux. Si je triche un peu. Pas si mal, si. Très bien. On triche, c'est tout. Là, on est bon. Oh non. Quoi? Ok, là c'est bon. Et elles veulent pas se mettre l'une après l'autre d'ailleurs. Non, elles voudront pas. Pourquoi elles se mettent à l'envers elles? Ah si, là. Faut faire ça. Ah, voilà. J'ai visé quoi tout à l'heure? Voilà, là. Parfait. Non. Tac. Très bien, et on va les redescendre après. Duplique. Et... Je suis inquiet, il n'y a plus de clients qui montent. Il suffisait de le dire. Tac. Donc si je fais ça. Et qu'ensuite, je les prends toutes. Ça va le faire. Je crée un groupe. C'est où le groupe déjà? Voilà, ici. C'est bon là. Là, c'est pas très beau la fin, mais il n'y a pas mieux pour l'instant. Il n'y a pas mieux. Ça se finit mieux ici. Dans ce cas... On va tricher un peu sur la dernière. On va la réduire comme ça. Voilà. Ouais, juste un petit poteau là et ce serait parfait pour la fin. Un tout petit. Non. Non. La taille des poteaux. Peut-être pas ici que je vais trouver mon bonheur, mais... C'est un peu gros tout ça, hein. Là, on s'approche. Fait un petit carré, là. Ça, c'est que du rond, mais on s'y approche. Ah, et du lettrage, c'est cool, ça. Là, on est pas mal. On doit pouvoir changer la couleur en plus. Ouais, là, ce serait pas mal en fait. Hein. Parce que regardez, si je fais ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on peut changer la couleur. Changer la couleur ou pas? Non, c'était pas bon ça. Ok. On va tester juste un truc. Hop, je l'ai mis là, c'est pas grave. On peut changer ou pas la couleur? Il n'y a pas un outil forme? Construction. Là, forme artistique.
Ah, pour l'instant, il n'y a que les lettres. D'accord. Forme plate, on n'a rien. Ah si, c'est parce que j'ai fait ça. Okay. Y a pas des poteaux ? Non. Il y a des blocs comme ça, après il y a ça, mais ça c'est gros. Ouais. Ça ne va pas. Ok. Tout est dans Habitat. Les trucs tout près, hein. Il y a des troncs en fait. Pire, ça va être un petit truc comme ça. Hein. Si j'ai pas mieux. Oh, pas si mal. Hein. Je vais trouver une idée. Je vais trouver une idée. Y a pas des pots de fleurs ? Non. Clôture, habitat, construire. Un petit décor, sinon. C'est trop gros, ça. Ah. Il y a ça. En fait, c'est peut-être en regardant bien dans le détail qu'on va trouver mieux. Hein. Barrière. Faudrait des rambardes, en fait. Petite poutre ronde, là. Outil d'aération, ok. Ah, ça, c'est les gros troncs. Ça c'est des décos. Pour l'instant en fait j'ai pas grand chose je pense. Souvenir c'est quoi ça? Ah oui d'accord. C'est pour des souvenirs. Enseigne. Pire je mets une enseigne. Y a pas un panneau là que je pourrais mettre? Non c'est pas beau. Un éclairage. En vrai en trichant un peu là. Ça c'est dégueu, c'est très moche ça aussi. Ouais. Parking souterrain quoi. Petite. Et ce que je veux dire, ça se pose, d'accord. Ça rentre pas sur le mur, non. Lecture. Ouais, j'ai bien trouvé la petite poutre là. Mettre un. Les planches. On y est. On y est. C'est presque les bonnes couleurs. Là, c'est encore mieux. Okay, on va se prendre ça. Hein. Je trouverai pas mieux, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Et hop. Voilà, très bien. Ça ferme. Ici, on va faire pareil. Parfaitement fermé. Hop, j'en mets même deux. Il y a plus grand, non ? Ah, il y a plus grand. Voilà, on ferme ici. Ça c'est bon. Là, il va falloir que je cache ça avec des. J'avais dit des rochers pour l'instant. Donc je vais dans nature, je vais chercher les rochers. Prendre ça. Hein. Mettre du vrai rocher là. Hop, ça clôture en fait comme ça bien le fond pour les visiteurs. Ils ne sont pas tentés de venir par là. Ah, faut pas que ce soit une zone d'escalade non plus. Donc ça c'est bon. Ici on ferme aussi. Là les visiteurs ils voient que le chemin s'arrête quoi. C'est parfait. Parfait ça. Rocher. On arrive là, on voit que c'est fini. Ils vont pas escalader, les gens, ils sont pas débiles. Puis ça, ce sera pour plus tard. On continuera sans doute. Ok. La vue me plaît bien, là. Hein.
Donc là, on peut faire un point de vue, on va tester ça. C'est dans quoi les points de vue? Service? Visiteur? Point d'observation. Je vais en mettre un là. Je pense. Ah, faut le mettre un peu plus loin. En vrai, on pourrait même faire un truc de fou. Hein. On pourrait faire déborder là. Ça doit passer, ça, non? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Mais oui, la folie. Aligné sur la grille. Attendez. Vraiment là? Regardez ça. Regardez cette folie. Ce serait pas mal ça, hein, de venir surplomber comme ça. Ah mais en vrai ça gâche la vue. Ça c'est à garder pour une prochaine fois. Le point de vue, c'est dommage, j'aurais bien aimé le mettre vraiment bord là. Observation là. C'est quoi qui bloque? Ça c'est le mur en fait. Ce qui bloque là. Il se met bien, ouais. C'est le mur. Je pense que c'est le mur. Ok, là il y a plus de bordure. Là il y a la bordure. Consanguinité. Ah ouais, il y a toujours ce problème là. Ils sont combien maintenant? Ils sont 5000. Combien sont-ils? Hop. Animaux. Ils sont combien? 11, ça va. Intrus. C'est quoi ça? Ah, c'est ceux qui sont en vente. Intrus. Centre d'échange. Relâche dans la nature, allez, on vous libère. Allez, hop. Échange d'animaux, j'en suis où, moi, dans mes ventes, là? Ils se sont pas vendus? J'ai pas compris, là. Animaux en attente. Échange, 9. Ok. Ok. Échange. En fait, la marketplace, je suis pas sûr qu'elle marche bien. Très bien. Malade. Ça ne va pas. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Il est où? Ah, ça y est, il est là, ok, d'accord. Ok, donc là, il y a quoi? Si, j'ai plein de notifs, mais... ça ne voit rien, ces notifs, là. Hop, il y a un visiteur, je vais le saluer, je vais prendre des points. Panne d'électricité encore? Non, c'est... Oh, si, c'est une dinguerie. Ça, c'est mal foutu dans le jeu, hein. Pas d'électricité, bah ouais, du coup, quantité de détritus élevée, non mais ça aussi c'est un bug. Ça manque de poubelles peut-être? C'est peut-être un indice? Ou plus de poubelles? On va essayer ça. Je vais en mettre un peu plus et on verra bien. Dès que je vois des détritus, je vais rajouter des poubelles et puis voilà. Hein. Ici, là il y en a. Ok, là on est bon. Ça c'est en panne, non mais... Le font les mécaniciens quoi. Déplace.
Se tourner pouce, non mais c'est... Ah, parce qu'il est en zone d'entrée. Ok, ok. En fait, les mécaniciens, faut peut-être pas les mettre en zone d'entrée. Pas de zone, il va être partout. J'en ai rajouté un. On a de l'argent, ça c'est bon. Là-bas, cette zone-là, elle commence à être vraiment cool. Hein. C'est sympa. Ici, je pourrais même mettre une vitre ici. Hein. En fait. Ouais, je vais le tenter, ça. Sûr. Ouais, c'est carrément mieux. C'est carrément mieux. C'est très cool. J'avais peur, hein. J'ai mis pot, j'avais peur de casser, mais... Cette zone, elle est grave bien. Hein. Hop, capture d'écran aussi. Vraiment cool. Hein. Ça change complètement le zoo. Et c'est pas fini, il manque encore des choses. Hein. Là, je peux mettre des... Par exemple, c'est tout bête. Hein. Mais ici... Ça peut changer aussi la donne de mettre des petits cailloux là. Pour gâcher ça. D'ailleurs, ce qu'on avait dit, c'était qu'il fallait faire ça. Et après, on choisit. Ah, voilà, ça par exemple. Ça peut être parfait. Tac. L'incline un peu. Ok. Tac. Ici, ça déborde un peu, donc ce que je peux faire, c'est quand même le rentrer un tout petit peu plus. Ah, lui aussi. C'est lequel? Celui-là. Yes. Petite finition, mais ça va faire plus sympa, quoi. Habitat, nature. Pardon, c'était dans la nature, il y a des toutes petites pierres. Ils sont balèzes, hein. Voilà, ça, c'est plus petit. Comme ça. C'est pas mal. Ensuite, ça, on peut peut-être le dupliquer. Comme ça. Quel serait le meilleur angle? Peut-être ça. Là, on dépasse un peu, mais c'est pas très grave pour l'instant. On va le remettre droit, un peu plus droit, il dépassera moins. Là. Hop, on remonte un peu. Là, ça me paraît bien, ça. Comme ceci. Juste l'incliner un tout petit peu. Voilà. Et là, on est bon. Là, ça me plaît. J'aime beaucoup, là, l'effet que ça a. Hop, ici on voit encore un peu, mais ça, on peut le masquer avec des petites plantes s'il faut, ou en mettre un ou deux rochers, ce sera parfait. D'ailleurs, les rochers, ils sont là en vrai. Hein.
En vrai, on va pas s'embêter. Hein. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est enlever la... Tac, si je fais ça, c'est mieux que CTRL-D. Hop, on va refaire l'angle. Là, on a fleur. Là, c'est parfait. Donc, si je viens là, ici, non, c'est pas le bon. Non, non, je me suis trompé. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Cherche le meilleur. Ah là, c'est bon. Le meilleur angle possible pour. Je l'ai validé trop tôt. Fallait faire ça. Tac. Il n'a pas voulu. On refait. Là, l'angle est bon. Maintenant, c'est ça. Ça. Ok. Voilà. Là, c'est parfait. Exactement ça. Yes. Ça fait bien plus naturel, là. Hein. Hop, X. Là, on est tout bon. De faire ça pour venir ici. Je valide. Le dernier, on le met là. Hop. Et on y est. Presque. Il est complètement. C'est good. Là, c'est magnifique. Ça me plaît vraiment beaucoup. Les deux côtés sont masqués. C'est parfait. Ici, on pourrait aller masquer un peu plus encore, mais ça va, c'est pas gênant. Ça a de l'allure. Juste là. Non, mais c'est pas possible. Il y a des poubelles. Il y a vraiment un bug dans le jeu, là. Il y a des poubelles partout. Comment c'est possible? Il y a du monde, je comprends, mais il faut mettre 5000 employés, là. Abandon. Manifestation repérée, ça y est, ça recommence. Encore une panne. Mécanicien assigné. Quantité de détritus élevée. Non mais c'est trop, c'est trop. C'est quoi ce jeu? Mécanicien. Ah, j'en entretiens, j'en ai 5 déjà, ça va quoi. Ça va me ruiner tout ça. Ok, j'en remets 2, allez, soyons fous. Il y a des poubelles tous les 3 mètres, mais c'est pas grave. Oui, il y a du monde. Ok, je fais une petite capture et puis on va s'arrêter là sur cet épisode. Il y a vraiment du monde là, c'est chouette. Ça, je vais l'agrandir. Du coup, maintenant, à présent, le point d'observation, on avait dit qu'on devait regarder ça. Je le fais avant de s'arrêter sur l'épisode. Service, point d'observation. Donc là, le problème, c'était le mur, sans doute. Donc si je prends ça, que je fais ça, on teste. Faut prendre les deux. Ça, ça. Déjà, si je fais ça et que je refais un groupe, là, ça peut être pas mal. Voilà. Là, je prends ça quelques secondes. On le met là. Je mets mon point d'observation. Il ne veut pas ici. Là, il veut bien. Là, pour lui, c'est pas un point d'observation. Pourquoi?
peux pas observer là. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de pilier? Ici, si je fais support d'aller, il y a des supports là. Je teste un truc. Hein. Ok, là, il y a des supports. Tac. Donc, si je recommence ici et que je les remplace, comme si je changeais de texture, là. Est-ce que ça va rajouter des supports d'aller en dessous? Et est-ce que là, il m'embête toujours? Ouais, ça change rien. Je sais pas pourquoi il veut pas. Parce qu'il n'y a pas de terre. Je sais pas. Aucune idée. Point de présentation, c'est bon. Point d'observation, il ne veut pas. Après, en vrai... Mais là, hein. On s'en fiche. Hein. On va le mettre plus loin, on le met là. Hein. Là, il veut bien. C'est ça qui est bizarre. Là, il veut bien. Pour l'instant, il n'y a rien, mais il voudra bien. Là, il veut absolument pas. Là, il veut. Là, il veut plus. Je supprime ça. Je vais supprimer ça. On va voir ce qui se passe. On fait une zone complète. Et ici, je duplique. Non, il veut pas. Je sais pas. Je sais pas quel est le problème. Ah, on est déjà dedans en fait. Dans le. Pour lui, on est dedans. Là, on est au-dessus. Non. Peut-être ça le problème. Donc, si je fais ça, pause. Que je viens modifier. Tac. Ça là. Je supprime. Ici, je remets le point d'observation. Non, il veut pas. Non, non, c'est pas ça. Là, il veut bien, par contre. Vous savez quoi? C'est pas grave. Il sera là, le point d'observation. C'est pas grave. On remet ça. On va pouvoir mettre le mur à sa place. Voilà. Et les points d'observation. Ils seront, tant pis, ils seront ici, max là, comme ça, ils viendront observer là, ou en vrai entre les deux, hein. Et là. C'est dommage, mais pas trop le choix, hein. Parce que là en plein milieu, c'est vrai que c'est bizarre. C'est pas grave là, est-ce que c'est un joli spot? Ouais, c'est très bien. Ça le fait. J'aurais préféré centrer comme ça, mais bon. C'est pas grave. Ok, d'ailleurs, ceci dit, avec le mur, il est mieux placé, lui. Que lui. Donc là, est-ce qu'on peut le modifier? Non. Il est ancré, en fait. Ouais, là, il est ancré. Il est dans le mur, c'est moins sympa. Donc en fait, sinon on va faire les deux comme ça, c'est pas grave. Hein. Les deux comme ça. Pardon. Deux, là et là. C'est vrai qu'ils sont un peu au milieu quand même. Hein. Ils sont un peu au milieu. On va voir si ça passe ou pas. À mon avis, il faut les mettre peut-être dans le vide, c'est peut-être plus ça. Un point d'observation, ça se met peut-être plus comme ça. Je sais pas. On verra bien si ça aide. Donc, point d'observation. Donc, lui, il observe quoi? Est-ce qu'on peut définir? Sélectionner un élément de l'environnement à observer. Ok, bah là. Là même. Observe quoi? Ça. Confirmer. Couchage habitat petit.
Ah oui, je vois, ok. Il faut mettre un objet. Quelque chose à observer. Cocotier. Et est-ce qu'il peut continuer? Attention. Ah oui, je vois. Ben, ça va être ça. Hein. Ça va être ça pour l'instant, et puis on verra. Ok. Ouais, c'est peut-être pas idéal alors ça. Je pensais que c'était un peu mieux. Je remets play, et puis on va s'arrêter là sur cet épisode. On fera la suite sur le prochain. Je vous laisse avec quelques images. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode de la découverte du jeu Planet Zoo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela nous aidera dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi laisser un commentaire, cela me fera plaisir de te lire. Et si le jeu Planet Zoo t'intéresse, je t'ai mis le lien vers sa fiche Steam en description. Et enfin, si tu aimes ce type de vidéo et que tu ne veux pas passer à côté des prochains épisodes, abonne-toi! On se retrouve donc très prochainement pour la suite de nos aventures au sein du refuge Power Haven. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !